Bonjour, bonjour, bonsoir. Renault Laguna. Renault Mégane, ok. J'appelle ça un petit bug. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes à Locmaria. Nous avons 147 euros sur nous, un peu plus dans le compte bancaire. Bonsoir à tous. Ça sent le fromage. Excellent Gavarc. Un très beau jeu de mots sur l'odeur de mes pieds. Ce que je voudrais faire, c'est voir s'il n'y a pas un pélo qui veut pas repeindre ma caisse. S'il n'y a pas de pélo qui veut bien repeindre ma caisse, nous irons prendre notre servisseau chez Helios Dépannateur. Alors, mon garage, parce que je l'aime bien, l'Audi, mais elle est quand même vachement rose, hein. Tac. Ta-da-da. Na-na-na. Voilà. Oh yeah. Oh, c'était le fromage de mes pieds, hein. Dis pas le fromage. C'est. Non. Non. Juste, on va regarder si ça, c'est fermé. Nanana, le nom, respect pour Bolino. Bolino, pelo! Pelo, 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 pelo. Bolino est un pelo. Bo-bo. Bo-bo-bolino. Je pense quoi? Oh, c'est génial! S'il est là-bas, on va lui faire Bobo Bolino. Ok, bah s'il dit son nom parce que je le connais pas. Hop, hop. Oh yeah! Allez, c'est y part. On a une magnifique voiture rose troll. C'est un peu la couleur, je trouve, de cette Audi. Hop là! Oh, regardez par contre la vue intérieure. Hop, hop. 5h24 du matin, actuellement dans le jeu. Ah. Ah, la vie est belle, les oiseaux chantent. Audi A1, le volant tourne. Hop là, regardez ça, là, ce style de conduite. Et étonnamment, là, je suis sur les claviers, sur Arma. Voilà. Je suis sur manette, sur tout le reste, mais sur Arma, non. Ah, par contre, un petit bug. Petit bug des rétroviseurs. Voilà. Il faut le dire. Allez, go! C'est vert. On repart, on va chez Bolino Pelo. Ah là là. On va aller voir s'il y a quelqu'un. C'est ici, je crois. Yes. Ta-da-da-na-na-na-na. Ah, ça a l'air d'être fermé, fermé, fermé. Notamment parce que c'est 20h01. 20h12, et du coup, je pense que voilà quoi. Ok, et bah tant pis, tant pis. On va faire un petit demi-tour en trois temps. Allez, c'est y part. Et on va aller au turbin. Donc on va reprendre D25 jusqu'à El Rond-Point de la Mort. Et voilà, on va juste aller se prendre un abonnement téléphonique, toutes ces conneries. Comme on est à Locke Marianus, on va aller chez Orange, vite faf. Je suis pas là, je suis pas à Locke Maria très souvent. Hein. Profitez, pour ceux qui connaissent pas la ville, profitez. C'est maintenant ou jamais. Lui, il est passé rouge, hein, avec sa voiture rouge. Enfin, merci! Merci, merci, merci! 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 Merci. Voilà, c'est tout. Mais what the fuck? Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est tout le monde seul là? Je comprends pas. Je comprends pas, je comprends pas. Tu gavardes, tu offres des subs aux gens? Mais. Je comprends pas ce qui se passe. Ah. Est-ce qu'il y a 1, 2, 3, 4 subs en plus? 5! Mon gars, je suis confus. Je suis. J'ai envie de dire Gavark lance campagne de subs. Oh! Margatak, c'est confus. Mais essaye de ne pas le montrer et de rester très calme. What the fuck? Mais on vient, mais merci, mais c'est. Tu sais, c'est formidable. Tu étais formidable. Ça te permet d'offrir des subs aléatoirement. Donc là, il y a des gens, ils sont là, ils. Oh là 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 là! Merci, Jason, pour l'abonnement. Merci! Non mais Gavark, c'est gentil. C'est gentil quoi. Oh putain, je suis ouf. Je suis louf, je suis louf. J'ai assez peu compris finalement.
Je suis sous un état de choc assez bizarre. Attendez, où est-ce qu'elle est la boutique orange, là, dans ce merdier? Ça y est, le mec repète des câbles. Wesh. Ah, elle est par là-bas. Orange! Des gros bisous. Bonjour à tous, en tout cas. Vous êtes 16 millions. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. L'autre jour, j'ai regardé Best of the Squeezie. Puisqu'il a une chaîne Twitch. Il fait ça le... Ouais, c'est bon. Il fait ça le jeudi, 20h minuit. Alors, en fait, moi, je fais le mardi pour lui laisser le créneau du jeudi, vous voyez. Allez, on va aller au cybercafé. Oh là là, c'est... Je suis ouf. Merci, Gavard. Gavard, merci. Je suis à deux doigts d'enlever mon t-shirt. Allez. Hop, 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 leboncoin.fr, 5 000 euros, bungalow. Il doit être très très grand ton bungalow pour 5 000 euros, mec. Moi, je dois avoir bah, pas assez d'argent pour tout ça. Allez, c'est parti, et on va repartir. C'est reparti, on va repartir. Le mec est confus. Hey, il y a mon chat? Je reviens. On va te montrer aux individus de Twitch. Tadam! La bestiole! Cafard qu'il est trop gentil. Voilà. C'est Comète. Bon, elle aime pas trop que je la porte. Du coup, je vais la reposer au sol. Voilà, c'était Comète. Cafard, merci pour Docteur Faust. Merci pour moi. Merci pour la vie. Merci pour le soleil. Car, sachez-le. Il fait beau grâce à Gavard, puis il pleut à cause des méchants. Alors. Ah non, c'est dans la rue. C'est dans la rue, c'est dans la rue. Vous avez tous accès à tous ceux que Gavard a sub. Si vous voulez, vous pouvez venir dans le chat et mettre un margadab. Voilà, si ça vous fait plaisir. Sinon, non, non. Pas, on n'oblige à rien du tout ici. Allez. Hop. Hop, on repart. On va refaire un tour à la peinture. Et ouais, il y avait Comète, les amis. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a, bébé chat? Tu veux des caresses, hein? Oh, oui, bébé chat. Bébé chat qui a quitté la pièce. Allez, on va aller retourner voir la peinture vite fait. Et après, on bougera prendre notre service, si tout va bien, d'aventure, sur la route. Lui, il passe au rouge, c'est deuxième fois qu'il passe au rouge, lui. J'ai envie de le balancer, sauf si c'est le gars de la peinture. Ah, il a tourné la peinture. Je crois qu'avec un subtender, tu peux reprendre un deuxième mot à 1 € si on doit faire un sub. C'est génial comme truc. C'est ouf comme fonctionnalité Twitch, bonjour à tous. Bonjour tout le monde, bienvenue. Ouais, le virage du pompier, il était un peu non serré, quoi. Allez, go! Bolino, le pelo! Ah, pompier qui part déjà en inter. Ouais, non, lui, il travaille pas ici. Lui aussi, il veut faire repeindre sa caisse. Allez, on se casse! On se casse, on se casse. On va aller prendre notre service peut-être 1 heure, 1 heure et demie, et on reviendra ici après, j'en sais rien, je sais pas. On verra un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui. Attendez, mais peut-être que lui, il... Tac. Alors, est-ce qu'il se gare aussi? Oui, il se gare aussi, ok. Allez, on se casse. On se casse, on se casse. Hey, Bolino, il est attendu comme le loup blanc. Comme moi. Viens, mon chat. Mes chats. Et oui, c'est mon chat. Attendez, on va se garer vite fait. Ah bah écoutez, c'est ça la vie de père. Comète! T'es où? Viens! C'était ma main. Voilà, c'était ma main, c'était affreux. Ouais, c'est ouf. Alors, go! Au repas, Polino, ouais, c'est dingue. Bon, on va garder la voiture rose quelques années, je pense. Voilà, c'est bon, elle joue. Ça va mieux. Bonsoir à tous! Merci d'être présents. Je suis vraiment deux doigts dans mon t-shirt pour vous montrer à quel point je vous aime.
Mais peut-être que ce serait un peu... Papa Mark Attack, ce serait peut-être chelou si j'enlevais mon t-shirt. Allez, c'est reparti. Du coup, T25, rond-point de la mort à droite. On traverse la ville. Et voilà. On sera au turbin. Au turbin, au turbin. Allez, go. Voilà, on va rouler un peu avec notre petit Audi. Qui est tout simplement magnifique, cette Audi. Hein. Et que j'ai eu seulement à 15 millions, hein, je vous le rappelle, c'était... C'était vraiment... vraiment une affaire. Tout va bien, monsieur? Oui, merci. Ok. Ah, il a dit tout va bien. Nous, on se casse. Peut-être qu'il va essayer de nous doubler. Peut-être qu'on pourrait faire la course. Peut-être que je lui dis un billet de 100, mon gars, que je te fume. Mais voilà. Marga est fou, attention à lui. What? J'ai failli taper un pompier et ça aurait été un peu fou. Mais c'est... Merci en tout cas, Gavark. Tu es splendide et admirable. Et en même temps, tu es de la barbe. Voilà, c'était plein de compliments comme ça. Honnêtement, maintenant, on va parler de choses un peu sérieuses. Ma coupe de cheveux sur 100. C'est pas coiffé. Ma coupe de cheveux sur 100. Est-ce que vous trouvez que j'ai trop de cheveux? Pas assez de cheveux? En termes de cheveux, comment ça se passe? Voilà, c'est un peu... Un peu le débat, l'opinion du jour. Hop là, et putain, elle avance, hein. Quasiment 200. Bon. Avec un skill de conduite, finalement, assez peu présent. 101. Merci, mec. Oh, c'est... 101, c'est légendaire comme coupe de cheveux. Du coup, merde. Mais en binaire. Ah là là, comment je me suis trop... J'étais en mode... Oh, 101. Petite poussière sur le costume. Voilà, mais non, en fait, non. Kappa, kappa, kappa. Kappa, 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 kappa. Kappa, 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 kappa. Bagatax, tu es mon meilleur ami, ta coupe de cheveux est bien. Docteur Faust, le plus gentil. Même quand ma coupe de cheveux est moche. Il me dit, ta coupe de cheveux va bien. à bientôt. En plus, le pire dans tout ça, c'est que j'ai un pélo juste en bas de chez moi. Enfin, un pélo. Genre une boutique, on va dire. Qui fait genre coupage de cheveux et coupage de beubard. J'ai genre absolument zéro putain d'excuse. Voilà. What the fuck? Le mec a mis son cap à Vark sans aucune pression. J'adore, j'adore, mec. Salut, Tommy. Bienvenue, Tommy 2311. Qui est absolument le 23 novembre. Voilà, c'est la fin de cette histoire. Bienvenue Tommy, bienvenue, bienvenue, bienvenue à tous. En tout cas, vous êtes gentils, mignons, sympathiques, splendides, incroyables. Merci pour le follow. Margadam. Oh yeah. Oh yeah. Grosse voix, t'as eu. Attention, bien de sécurité qui est là. On est bientôt au rond-point de la mort qui tue. Oh yeah, on va donc ralentir pour éviter de prendre le rond-point à 200. À 200. Hop là, et voilà. Il y a déjà quelqu'un qui est passé ou... Voilà. Allez, c'est reparti. Je crois que c'est par là. On va voir s'il me suit. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Ça se trouve, c'était pas la route. Tant pis, tant pis, tant pis. Tant pis. J'ai envie de dire, tant pis si c'était pas la route. Non, si, c'est la route. C'est la route, c'est la route. Grave. Salut, Lucie 57510. C'est le code postal des poivres d'Armor. C'était un jeu de mots que peu peuvent comprendre, car il est vraiment nul. C'était très drôle, les épisodes avec Dressure. Avec Dressure et Prodéon, on s'est bien amusé, tout à fait. On s'est bien amusé, on s'est bien amusé. Salut Lucie, une fille. Oui, bah, calmez-vous, les amis, calmez-vous. On peut pas être que en beubard ici. Et ouais, on s'est bien amusé sur Ghost Recon Wildlands. On s'est. Enfin, vraiment, ça me
fait plaisir que ça vous ait plu, parce que vraiment, nous, on s'est éclaté une après-midi entière, comme ça, à rigoler, à rouler sur des grands-mères dans le jeu. Bien sûr, ne roulez pas sur des grands-mères dans la vraie vie. Même dans les jeux, c'est déjà limite, limite. Alors, dans la vraie vie, il vaut mieux éviter. Bonsoir à tous, en tout cas, bienvenue. Comment que ça va, les amis, les jeunes diables? Bienvenue à tous. Ici, un camion qui a un IKEA avec un camion. Peut-être que le camion est ouvert. Moi, je suis toujours là, un peu à potentiellement voir si potentiellement on pourrait potentiellement voler des trucs et faire du pognon. Donc on va aller voir ça. Et surtout qu'il y a un camion comme ça. Je sais pas ce qu'on en fait. Mais après, j'ai pas de. Pardon, j'ai pas de lockpick, mais. Hop. Ta-da-da-na-na-na-na. Juste voir si c'est ouvert, si c'est fermé. C'est fermé. Alors, excusez-moi. Je sais pas où est le chat. Je pense que le chat est sorti. Je ne sais pas. Alors, le camion est fermé. Donc, on va éviter de voler des choses dedans, les amis, car on ne peut pas. On repart. Direction le job. Direction le dépannateur. Tu vas faire quoi, Maria, pour les 2 ans de la chaîne? Eh bien, c'est le gros vide. Je n'en ai absolument aucune idée, Docteur Faust. Du coup, je suis hésitant pour l'instant. Je réfléchis encore. J'aurai certainement un gros live, c'est à peu près sûr. Après, j'ai pas les détails, quoi. Hop. Ils sont très bien ces feux parce que du coup, sur une grande ligne droite comme ça te permet de couper tes vitesses. C'est pas mal. C'est pas mal. Et là, il y a une autre voiture de toute façon en face. Moi, bon, c'est pas les flics, c'est une autre Audi. Mais tant pis. Il y a un autre fond aussi, je crois. Allez, go. Bon, de toute façon, on est en train d'arriver au palais. Donc là, la circulation se densifie. Notamment parce que là, il se passe un truc, quoi. Hop. Bonjour. Terrible, terrible, terrible. On va aller voir un peu ce qui se passe, les amis. Hop. Bonjour. Bonjour. Dis donc, il se passe quelque chose ici, peut-être? Ah, y a un véhicule qui bloque, mais Ouais. On prépare une course. Ah, ok. Bah, bonne course alors. Vous voulez pas vous joindre à nous avec votre bolide? Oh, faites la Non, course. non, monsieur, venez pas, hein, parce que vous allez tous nous doubler là. Bah, c'est sûr. Non, mais écoutez, bonne course. Mais du coup, la voiture, elle bloque ou pas? Vraiment? Ouais, monsieur, ouais, elle bloque. Ouais, bah. Je travaille dans une société de dépannage dont je tairai le nom. Allô, dépannage, la Ah meilleure oui? société de dépannage. Du coup, je pourrais passer l'anglais si je prends mon service bientôt. Ouais, s'il vient pas, bah vous pouvez toujours passer, non? Ouais. D'ici là, peut-être, bah, appelez pas la police si vous faites une course, mais peut-être si la diarrhée est là, n'hésitez pas à les appeler pour qu'ils Non, balisent, non, on quoi. fait pas de course. Ouais, non, mais faites comme vous voulez, monsieur, comme vous voulez. Surtout pas avec un procureur. Moi, je pense que faire la course avec le procureur, c'est vraiment la meilleure des idées. Le procureur sera forcément gagnant, quoi. Il gagne la course et vous met en prison après. Bonne journée pour lui, quoi. Allez, à plus tard, messieurs. Appelez, histoire qu'il balise. Allez, go. Du coup, on va aller récupérer cette voiture. Cette voiture. Cette voiture. Vous m'avez dit la dernière fois, je crois qu'on entendait mal les autres gens. On va voir ce que je peux faire à ce propos. Est-ce que là, vous les avez bien entendus, mal entendus, moyen entendus? Sur une échelle de 1 à 100. Dites-moi un petit peu comment vous les avez entendus. Bien. Oups. Et je regarderai ça. Je me mettrai dans un petit coin. Et je regarderai ça. Tac. Tac. 2,80. Merci. Donc on a Romy qui n'entend rien. Et on a Tommy qui entend parfaitement les autres gens.
Donc on va faire un check quand même qui ne coûtera rien. Ce qu'on va faire, c'est que je vais aller à l'entreprise de dépannage et je vais faire le check. Voir si TeamSpeak est assez fort, tout ça, tout ça. Hop, hop. Allez, go! C'est parti! Bonsoir à tous, en tout cas, bienvenue. Merci pour votre présence. C'est absolument merveilleusement formidable. Ah oui, il y a déjà du monde, peut-être. Bon, on va l'envoyer au palais. Ah bah, on peut à peine sortir. Comment je fais là pour sortir le camion? Hop, hop, tac. Hop là, alors. Oh, sérieux? Oh, j'ai pas tapé, hein. Vous l'avez vu. Du coup, juste faire ce rapide check. Hop, hop. Aide, paramètres. Non, c'est outils peut-être. Options. Lecture, oui. Hop. Voilà. Ce sera un peu mieux. On verra un petit peu à la longue ce que ça donne. Du coup. Allô? Y a quelqu'un? On va aller voir. On va faire un petit coup sur la radio, peut-être. Alors, on va faire un petit coup sur la radio. Bonsoir tout le monde, en tout cas. Pour ce faire, il me faut ça. Il faut que vous repassiez gentiment sur... Putain, ça m'a fermé Chrome. Très content. Salut Gauthier, bienvenue. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Hop là, c'est ça que je veux. On peut rejoindre le serveur tout à fait sur armalifefrance.fr. Tout à fait, tout à fait. Hop. Hop, je m'occupe de ma radio, vite fait. 4, 6, 8, 9. Hop, hop. Fiche intervention, ici, comme ça. Ça va, ça va, j'ai déjà. Test radio pour Edward. Ouais, je suis là. C'est qui? C'est Taz. Salut Taz, c'est Elliot, pardon. Salut, Elliot. Si t'es dispo, il y a une voiture qui bloque complètement la circulation. Je vais mettre un point. Je suis passé devant là tout à l'heure, vers la gendarmerie. Ouais, tu la prends parce que je suis à la gendarmerie. Ah, bah t'es à côté de la voiture. Ouais, je sais, mais je suis à la gendarmerie. Ah, en tant que non, ouais, ça roule. J'irai la chercher quand je me serai prêt. Hop, alors fourrière jaune et on met ça sur, pardon. Helios. Hop là. Voilà. Alors, comment ça nul? Comment ça, comment ça? Bon, on va rester comme ça. Salut Kevin! Bienvenue à tous, mes chers amis. On va se changer du coup. Donc, on va poser ça. J'ai du triflash, c'est bon. Panneau de déviation gauche, c'est bon. Droite, c'est bon. Et j'ai des cônes. Donc j'ai pas besoin de tout ça. Je vais me chercher une tenue de travail, sortir ma dépanneuse et je vais partir tout de suite, je pense. On va faire ça. Et c'est à partir de 18 ans. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Achat de vêtements. En fait, merde. Merci, Gauthier. Merci, merci. Tu sais qui a racheté Helios? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. J'espère que j'en ai une dans mon... Sinon, je traverserai dans ma voiture. J'en avais mis une la dernière fois. Ça. Allez, on va traverser vite fait. Et ensuite, on partira. Et je reviendrai pour mieux me préparer. Pour tout ça. Ah, putain, il manque pas grand-chose en plus. Hop, hop, voilà. Tac, tac, tac. Salut Julien! Merde, j'ai dit allô dépannage tout à l'heure. Je suis con, moi, c'est Helios. Oui, non, si, si, c'est. Non, j'ai plus le nom, son nom en tête. C'est Malheureux. Je sais que c'est Malheureux. Voilà. J'ai dit Helios tout à l'heure. Allô tout à l'heure. J'ai dit Allô dépannage. J'ai même fait une chanson sur Allô dépannage. Alors, il faut que je regarde vite fait quel est mon véhicule. Hop, 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 parce que je ne m'en souviens jamais. Hop là. Alors, Ford Raptor.
Treuil EQ. C'est Jason Pierce. Ah, c'est ça, c'est Pierce, je me souviens plus de son nom. Alors, garage d'entreprise, EQ. EQ, EQ, EQ. KF, EQ. Hop. Hop. Voilà. Hop. Hop. Ok, nickel. On va remettre un coup sur le plan. Du bon, j'ai bien fait de partir. Allez, bravo. Allez, go. Ah merde, là, je fais comment pour sortir? Vous savez quand on va sortir par les arbres sauvages? Ce sera plus simple. Oh, non, je vais enlever un cône en fait. On va enlever un cône. Tac, tac. On va virer ce cône-là. Hop. Ok, top. Hop, hop. Allez, c'est parti, mesdames et messieurs. Direction le palais. Pour voir un petit peu déjà ce qui s'y passe, mais pour enlever cette voiture qui nous fait chier en plein milieu du palais, qui fait chier tout le monde, les braves habitants. Les braves habitants. Alors attendez, tac 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 tac, voilà. Ah, c'est mieux. Bonjour à tous. J'ai pas fait grand-chose, juste. Oh putain, là aussi une voiture. Je la ferai après. Bonjour? A priori, ouais. Allez, je vais m'occuper de vous, monsieur. Vous mettiez vraiment devant le véhicule, il tourne par le véhicule. Ouais, je sais, monsieur, mais on va déjà regarder, faire un devis, faire une facture, hein? Ah, ben, il n'y a pas besoin, monsieur. Je vais mettre mon coup, je vais boire un break, monsieur. Redites-moi votre nom. Hugo André, monsieur. Alors. Dernière fois, Diogo, vous m'avez dit. Hugo, oui, Attention, c'est monsieur, enlevez-vous de la route. Ah, désolé. Je vais me garer, on va regarder ça ensemble. Ah, ouais, allez, attention à vous. Ok. Quel lieu de portage? Parle! T'as été chercher le véhicule ou pas? Non, je suis tombé sur quelqu'un qui a besoin de moi. Bah, pour l'instant, on n'est pas encore. Ouais, on n'était pas encore ouvert, mais c'est pas grave. Ouais, bah, il était là sur ma route. Ok. Je vous vois pas tant que je suis pas allé chercher le véhicule, de toute façon. Hop. Alors. Bon, bah, j'en ai un réparé. Monsieur Hendrix Jogo, oui, c'est ça, tout à fait, Très tout bien, à fait. pardon. Tout à fait, tout à fait. Alors, il faut quand même que je vous fasse un devis, que je vous sorte la facture, que je vous sorte pas la facture, non, pardon, juste que je vous fasse le devis pour que vous puissiez Ah oui, il y a deux roues, hein, c'est tout, la hein. valider. On va regarder ça, monsieur. Ah, il n'y a pas besoin que je la valide, hein. Vous avez qu'à enlever directement. Okay. Elle est belle, votre voiture, monsieur. Vous voulez même pas savoir le prix? Non, pas besoin. Ok, bah, très bien. C'est quoi comme Ferrari, dites-moi? 488. 488 d'euros, allez. Je le note juste sur mon calepin, comme ça je ferai effectivement plus tard. Pas de problème. Par contre, mettez pas la vraie plaque, monsieur. Pas pourquoi? Ah, changez le numéro de plaque, c'est possible, monsieur. Pourquoi? Parce que moi, on m'avait dit que normalement, vous preniez pas la plaque quand j'ai fait mon contrat, donc c'est bizarre que vous la preniez. Ouais, non, c'est pour les factures, hein, tout simplement. Oui, mais vous mettez 475, c'est possible. 400? 75, 75, c'est possible. Allez, monsieur. Ben, ça reste entre nous, hein, vous ne le dites pas. Ah, mais déjà tous vos employés sont courants. Hein. Ouais, mais Je vous bon. fois, hein. Je sais pas quoi. 2 euros rouges. Donnez-moi une pièce d'identité, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Une Ferrari. Rien. Merci, c'est juste pour vérifier votre identité, hein. Ah, attendez, mon stylo marche plus, j'en prends un autre dans ma poche. 158 et. Ah, vous êtes tombé pile au bon moment. Bah ouais, je partais pour autre chose, mais bon, puisque je suis là. Les ponts, ils aiment pas trop les Ferrari. Hein. Ah, ça c'est sûr, monsieur. Bon, je vais mettre un coup de balisage et puis on s'y met, ok? Ok, pas de problème. Alors. Hop, 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 hop. Je vais boucler ça.
Tac. Tac. Histoire qu'on soit un peu tranquille. Panneau déviation droite. Panneau déviation gauche. Excellent. Hop. Hop. Et on va poser un triflash. Voilà. Hop. Poser et allumer. Et on va mettre un cône et un autre et encore un autre histoire d'être vraiment tranquille. Hop là. Voilà. Allez, maintenant on va pouvoir s'avancer nous sur le pont pour pouvoir faire ça. Tac, tac, et puis on lui fera sa facture après. Du coup, je l'ai noté, peut-être je la ferai plus tard. Plus tard dans la soirée. Hop là. Allez, c'est parti. Voilà. Là, je bloque pas, il n'y a jamais personne. Hop. Alors, attention. Putain, ça va pas être évident. Puis là, il y a une Ferrari. Il vaudrait mieux éviter qu'on ait des problèmes. Hop. Hop! Tac, tac. Faites le tour si vous voulez passer pour le palais. Ça va prendre un peu de temps. Non, je vais passer à gauche là. Eh bah. Ah ouais, je m'attends, mais pas de soucis. Ouais, super. Allez, hop, 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 on baisse l'arbre hanté. Voilà, nickel. On prend les commandes. Et ce qu'on fera, c'est que je me mettrai moi sur le bas-côté. Je me mettrai sur le côté pour. Monter des réparations. Hein. Et alors, laisser les commandes, accrocher le véhicule. Voilà. Enfin, je vais mettre sur le pont, comme je l'ai bloqué. Hop, hop. Tac. Voilà. Hop là, nickel. On va se faire les petits tréports et je poserai son véhicule là-bas quand même. Hop là. Tac tac tac. C'était juste pour laisser passer. Oh, pas de problème. Je vous la remettrai là sur le petit parking. Comme ça vous Ah, serez. vous pouvez la laisser là-bas directement, j'avais direction le palais. Ouais, c'est vrai. Eh ben, je vous la poserai là-bas, ouais. Le pont, je vous la pose ou préférez qu'on avance un peu? On avance, ça c'est mieux. Ah, parce que là, elle est réparée, c'est bon? Ouais, Ah, il me parfait. reste juste à revisser. Tac. Et voilà, comme neuve. Eh ben, je vais juste, j'avance un peu. On va juste récupérer ça vite fait. Non, c'est. Voilà, nickel. Hop. Hop. Voilà. Tac. Tac. Je pose le véhicule et c'est tout bon. Hop. Et voilà. Parce que là, je suis sur un truc un peu dangereux. Hop. C'est bon, monsieur! Vous pouvez y aller. Monsieur, c'est tout bon, hein. Vous pouvez y aller. Ok, Merci. Bonne journée. merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Au revoir. Et nous, on va récupérer ça. Hop. Hop. Voilà. Éteindre. Non. Je le prends. Et ça. Oui, Ok. c'est bon. Voilà. Du coup, on prend les commandes. Voilà, bonjour à tous. Bonsoir. YouTube, bienvenue. Et on va aller chercher cette voiture-là qui gêne tout le monde. Hop là. Allez, c'est parti. Quelle vie. Mais quelle vie on fait. Je repars sur la voiture enlevée du coup. Ta fille?
Hop là, moi je le préviens parce que c'est le chef, Taz. Enfin, c'est le chef. C'est pas directeur, il est chef d'atelier. Chef d'équipe, si vous préférez. C'est le gars que je viens de réparer. Ouais, 10-4. Je viens de réparer une voiture, il m'a doublé là juste à l'entrée du palais, il est passé au rouge si tu veux prévenir. Hop. Ça sert à rien, laisse-le faire quoi. Ouais, ça roule. Hop, allez, go. On va traverser ici. Hop. Hop. Et du coup, alors attendez, parce que je voudrais bien... ah oui, c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Hop, là, voilà. Je préfère chuchoter. Ça nous évitera bien des problèmes. La voiture, elle est là-bas. Et on va se bloquer la circulation, du coup, histoire d'être un peu tranquille sur ça, sur l'enlevage de la voiture. Hop. Hop là. Voilà. Je vais l'enlever, faites le tour. Bah, faire le tour, je veux dire, c'est moi, je fais pas d'autre route. Là, vous prenez à gauche, monsieur, et vous retomberez sur le parking. Faites le tour, s'il vous plaît. Merci. Ça aurait pu faire le tour aussi, hein. Alors, on va se bloquer ça. On va bloquer la route. Hop. Hop. Voilà. Ah bah. Monsieur! Bonjour! J'ai bloqué de l'autre côté, faut que j'enlève la voiture rose là. Je me suis mis en sécurité si vous voulez bien me bloquer de ce côté. Ouais, histoire... on va bloquer de ce côté, pas de soucis. Qu'on me roule pas dessus quoi. Pas regarder encore. Je pense que je vais l'ouvrir là pour pouvoir le prendre, ce sera plus simple. Bah ouais, ok, ouais. Ouais, mais je vais. On vous bloque la route. Ah, c'est gentil, merci monsieur. Du coup, on va se baisser ça. Je vais le. L'amener ici du coup. Hop, hop. On va se prendre les commandes. Voilà. Nickel. Bloque la route. C'est bien, bien pépouze. Hop, hop. Adjoint chef. L'autocar de tout à l'heure qu'on comprend. Ouais, c'est encore bif, il commence à me gonfler. Lui. Ouais, vous le mettez en foyer, vous gardez bien aux choses, Vic. Non, vous savez ce que vous faites? Dites-moi. Vous la mettez dans la brigade. Dans la brigade? Ouais. Ouais, si vous voulez, ouais. Mais du j'ai coup, envie de la garder, moi. En termes de paye, tout ça... Ouais, ça fait... Vous faites payer la facture et puis c'est bon. Ouais, mais on va dire que c'est bon. Là, je crois qu'il y a mon collègue qui est chez vous, non? Après. Il va vous sortir. Il y a une panne de brigade. Ouais, ouais, je crois qu'il va vous sortir une belle facture. Donc on va dire que c'est celle-là, c'est pour nous. Ah, c'est quoi, c'est Elios, vous c'est... Ouais, c'est Elios, ouais, bien sûr. Hop, allez, attention à vous. On va juste fouiller le coffre pour éviter qu'il y ait quoi que ce soit, on sait jamais. Pas de soucis, allez-y, messieurs. C'est moi où ils roulent tous en Merco en ce moment. Je vais vendre le capot parce que j'ai envie d'ouvrir pour aérer le moteur. Vous avez bien raison. Bonjour à tous. Merci, salut Martin. Du coup, non, c'est bon. Non, c'est bon, ouais. Vous me la mettez dans la brigade, s'il vous plaît. Ouais, avec grand plaisir. Elle leur apprendra à foncer dans les liquides de gendarmes volontairement. Ouais, c'est vrai que ça me paraît être une bonne idée, gendarme. Attention à vous, hein. Hop. Hop là. Voilà. Tac, tac. Bah oui, bien sûr, à l'abri. Pas qu'ils prennent l'eau. Hop, je récupère mes cônes et puis je vous amène ça. Hop. Je rouvre ce côté du coup où vous restez là peut-être, je sais pas. Non, non, on reste pas là, si vous partez, vous partez. Ah bah je vais à la brigade moi, je viens vous rendre. Ok les gars, c'est bon, on peut remballer. Merci messieurs en tout cas. Bah de rien, c'est normal. A plus tard. Vas-y, vas-y. Hop. Hop.
Taz, j'arrive à la brigade, du coup, faut que je pose la voiture que je devais prendre. Excuse-moi, ça a dû couper. Je passe à la brigade, pose la voiture que je devais prendre. Appuie. Hop là, voilà. Hop. Hop. Tac. Voilà. Hop. Bonjour, j'ai une livraison. Oh bordel. C'est mal parti, les amis. C'est mal parti. Allez, c'est nickel. Je vais avec ta voiture rose. Ouais, c'est ça, faut que je la pose chez eux. Ouais. À brigade, quoi. Hop là. Bonjour! Attention à vous, faut que j'aille poser ça. Eh, passez pas derrière moi, hein, gendarme! Bonjour! Elliot. Ouais, j'arrive 30 secondes. Bonjour, faut que je vous pose la voiture, là, j'ai vu avec vos collègues. Je vous pose ça sous le porche. Bonjour. Bonjour. Ouais, du coup, j'ai vu avec vos collègues, là, pour vous poser la voiture rose. Un Vito, trois de vos collègues. Je vous la pose sous le porche, c'est bon pour vous? C'est ça. Allez, super. Je décroche et je vous la pose. Ouais, vas-y, parle, excuse-moi. Je parlais avec un gendarme. Monsieur le dépanneur? Ouais, monsieur. Vous avez, comment dire, vous avez la possibilité de la mettre sous le porche? Ouais, ouais, je vais la reculer, là. Je la descends et je la recule. C'est bien fait. Taz, c'est bon, hein. Hop, il va nous parler après de Taz. Alors, attendez. Tac. Tac, voilà. Ta-da-da-na-na. Ta-da-da-na. Voilà. Hop. Bah c'est nickel! Une affaire qui roule! Ouais, je te disais pour ceux qui... Voilà! Attends, je téléphone. Vous avez juste refermé le... Pardon? Refermez le... Ouais, bien sûr! Un peu à l'appel, hein. Bah merci! Voilà! Passez une bonne journée, messieurs, n'hésitez pas à nous appeler. Et bonne journée à vous. Et du haut, s'il n'y a pas meilleur. Bonne journée! Non, ça vous inquiète pas. Putain, il y a le raid et tout, il y a grave du monde, c'est chouette. C'est chouette, chouette, chouette. Salut tout le monde. Salut, c'est Elliot qui vient d'arriver. Ok, c'est Julien. Salut. T'es tout seul? Non, il y a Taz, il est au téléphone là. Ok, ça marche. Et je fais un retour, moi, au dépôt. Allez, c'est reparti. Alors, on attend pas Martin? Eh ben non, on a commencé sur toi. Au revoir. Allez, go. C'est reparti. Direction... Direction le dépôt. Les amis, on va retourner là-bas tranquillo. Et du coup, on va charger le camion, tout ça, se mettre en... En conformité, je pense qu'on va prendre que le camion. J'ai pas envie de sortir un Raptor. Bien qu'il me semble possiblement en avoir un juste à moi. Attends, il se passe peut-être un truc. Pour les gens qui sont présents un peu plus souvent, il y aura une prime. Hop, ok. Tac, bam, les gens qui sont un peu plus présents, donc c'est pas moi. Moi, j'ai une fois par semaine, mais... ça fait plaisir pour les autres. Moi, je suis une fois par semaine, et ça me fait bien plaisir. Hop. Du coup, t'as pris le central, Taz? Papy, et je disais que pour ceux qui seront présents assez souvent, il y aura une prime. Vi, j'ai entendu. On va voir que la voiture de gendarmerie, elle est mal garée. Du coup, que tu fais un peu plus présent, quand même. Ah, j'aimerais bien, mais peut-être que je ne peux pas. Peut-être que le...
demande trop souvent. On ne sait pas, on ne sait pas. Ouais, c'est parce que tu es en train de chercher ta machine et puis que tu la trouves pas et que tu veux pas sortir chez toi tant que tu l'as pas trouvée. Quoi? C'est ferme. Hop, hop. Alors attention. Voilà. Ah mais ouais, je connais du monde sur le continent, donc c'est vrai que j'y suis souvent. Allez, j'arrive au dépôt. Bonsoir à tous. Ah ouais, moi je viens une fois par semaine. Après, je pourrais venir plus souvent, c'est compliqué. Du coup, je le fais pas. Je préfère venir une fois par semaine. Et voilà. C'est mon truc après, vous voyez. Messieurs, bonjour. Ah ben oui. J'ai encore vu une vidéo avec certains marketeurs, c'est un petit putaclic, c'est moi. Comment ça va? La forme? Ça va nickel. Bah moi aussi, super. Si vous allez bien, tout va bien. Bon, j'ai pas eu le temps de remplir mon camion, du coup je suis parti direct sur une voiture à... Rien à mettre dans ton camion? Le véhicule immobilisé, si, moi j'aime bien mettre mes machins, mes petits outils et tout. Ah ouais? Ouais. Oui. Du coup voilà. Ah ouais, vous mettez jamais rien? Préférez pas? Ah non, moi je préfère pas parce que... On sait jamais. Ouais. Un peu plus sur moi. Ouais, bah après. Chacun son truc. Moi, je mets les outils dans le camion, comme ça, j'ai tout à dispo. Ouais. En atelier mobile, quoi, tu vois. Et enfin, bon. Bon, bref, ouais, du coup, je suis parti direct, là. La voiture rose, tu l'as vu, Taz? T'es passé toi, ouais, peut-être? Oui, je l'avais vu, moi, je l'ai vu. Sérieux, quoi. Le mec, en plein milieu de la route. Ouais, mais ouais, c'était où, à le palais, non? Ouais. Ouais, au palais, ouais. Du coup, j'ai croisé la gendarmerie, donc je leur ai demandé de me bloquer la route pour éviter de crever, quoi. Et du coup, ils m'ont dit, non, mais vous me la mettez à la brigade, ça. A priori, le proprio de la voiture s'était amusé à forcer un barrage de gendarmerie ou rouler sur les gendarmes, en tout cas. Bref, je pense que ça a mal se passer pour lui, quoi. Je l'ai dit, il m'a appelé, il vient de m'appeler. Ah ouais? Il fallait... Ouais, il vient de m'appeler, il dit « C'est vous qui avez mon véhicule ?» J'ai dit « Non, il est à la gendarmerie. » Ah, puis là, Ouais, chercher son véhicule là-bas. C'est-à-dire qu'il va passer à la gendarmerie, puis après la gendarmerie va nous appeler. Non, c'est bon, vous pouvez mettre en fourrière pour la vie. Putain. Enfin bon. Ah ouais, les pauvres. Et puis, j'ai réparé une Ferrari, là. Faut que je fasse la facture, d'ailleurs. Mettre sur le PC. Un des contrats qu'on a là, tu sais. Ouais. Hendrix. Ah oui. Hendrix. Tu fais ta feuille de. Tu fais ta feuille comme si tu faisais une réparation et après tu déduis de. Ouais, je sais, ouais, mais je savais, tu vois, c'est pour ça que je me fais la facture tout de suite. Mais du coup, après, il m'a gentiment doublé sur le palais, il a grillé le feu juste après, quoi. Ouais, mais ça, c'est Hendrix, hein. Sérieux. C'est normal. Ça met en danger, quoi. Bah ouais, je prépare le camion, sortir la facture. Puis voilà, quoi. La vie est belle, les oiseaux chantent. Ah, c'est ça. J'ai pas eu le temps. De. Il y a un véhicule immobilisé juste là sur le parking et le dépannage. Ah, c'est dommage. J'étais en train d'écrire. C'est comme ça, tu mets un point direct. Ah, je l'ai pas vu. C'est ce que j'ai voulu faire, mais. Bah, ils viendront me dire bonjour. Fondamentalement, on s'entend pas méchamment avec ceux qui bossent là-bas. C'est plus... Il va raconter un peu de conneries sur nous, ça va bien. Bah, c'est plus les patrons qui se croient en tort, pas les employés, quoi. Tu vois, le mec qui est là et qui est avec son camion... Bah, si, c'est les employés qui... Ouais, sur notre boulot. Bah, ok. Et ben, on fera péter son camion. Hein? On lui crèvera ses pneus. Non? Moi, si tu veux, mais je m'en fous. Cool. Cool, bon bah je vais chercher un... Ah tu sais quoi, je fais... Là si je veux, hein, il touche pas au véhicule. On met... Oh viens, on met nos camions autour, on dit qu'on les garde là-bas. Non, si je veux, il touche pas au véhicule, je vais venir le GIGN. Pourquoi? Ah je vais venir les gendarmes, moi. Pour quel motif?
Ah, motif qu'on se fait agresser. L'autre, il laisse son camion là, son camion le prend pour hier, on a gagné son camion plus une moto. Bah, appelle-les avant qu'ils arrivent, au moins. Non, pour le blesser, c'est une moto, sérieux, parce qu'il a rien à foutre d'une moto. Ah bah, c'est toujours ça de prix, hein. Ça va être une des seules inter qui vont faire ce soir. C'est ça, c'est la seule inter qui vont faire ce soir. Bah, les pauvres. Allez, arrêtons de pitcher, moi je vais remplir mon camion. Boum, boum, à toutes. Elle était maquillée comme une star de cinéma. Hop, hop, boîte à outils, haut de secours. 2, 2, 2, nickel. Hop. Fais la course. Et il me faut... A plus, Docteur Fauss, merci de passer, ça fait zizia. Et du coup, il me faut deux. On va en prendre trois du coup. Attendez. Deux caisses de réparation. Non, on va en prendre trois. Trois caisses de réparation. Une boîte à outils en plus. Et une roue de secours en plus. Oui. Nickel. On pose tout ça dans le camion et on est prêt. Qu'est-ce qu'il faut? J'ai envoyé. Juju. Nickel. Hop. Voilà. Parfait. Attendez. Ouais. On va se mettre là. Plutôt. Ouais. On va déverrouiller. Hop là. Voilà. Non. Toujours pas au bon endroit. Tu sais, il y a un petit spot pour mettre dans le coffre du camion. Voilà. Hop. Hop et hop. Bonjour à tous, en tout cas je suis navré pour ceux qui me parlent dans le chat et à qui j'ai du mal à répondre. Faut pas m'en vouloir, je vous aime bien. Hop là, j'ai bu, j'ai mangé dans le jeu. Excellent. Nickel. Tac tac tac. Ouais, non, sur les papiers, il n'y a pas d'immatriculation. Bonjour. Oui. Jean. Bonjour, je viens récupérer un véhicule qui est en fourrière. Ouais, c'est vous la moto, monsieur? Ouais. Faut pas vous garer là, hein, là vous êtes sur un parking privé, monsieur. Ouais. Au revoir, bonne journée. Du coup, je prends la 313 quand même. Ouais, tu prends la 313 et... De mal euros. Hein? Hop. Ouais, et du coup, il va se regarder et puis après, il viendra me voir. Et on va lui sortir son véhicule de fourrière. Entre temps, on va essayer de faire la facture. Salut Bibifun, merci pour l'abonnement. Ouais. C'est quoi, monsieur, comme véhicule, que je vérifie qu'il soit bien chez nous? Une Morgane Aero 8. Megan? Morgane Aero 8 noir. Ouais, allez, je regarde ça dans mes fichiers. D'accord, merci. Si en revenant, ça se trouve, tu vas croiser du monde qui va tomber en panne. C'est bon, j'ai ce qu'il faut sur moi déjà. Alors, Morgane Aero 8. Vous l'enlevez quand, monsieur? Hier ou avant-hier, je sais plus. Vous connaissez la plaque? Ah non, je... Une noire, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça, allez, je l'ai, donc ça fait une facture à 660 €. Il me faudrait votre pièce d'identité, monsieur, s'il vous plaît. Ouais, tenez. Monsieur Deauville, c'est ça? Ah, vaut mieux, parce que oui, c'est pareil. Allez, je vous fais une facture à 660, du coup. Ouais. Et pourquoi elle a été retirée? Elle était sur un parking, pourtant. Je vais regarder, monsieur. C'est un sabot, a priori. Donc oh, c'est la gendarmerie qui a mis un sabot sur la voiture. Putain, ces enfoirés. La facture, voilà. Voilà, je signe. Allez, merci, monsieur. Je vous sors ça, attention à vous. Venez avec moi. Venez avec moi, monsieur. Comme ça, pas de problème. Attention, je sors une voiture. Alors, on a dit M. Putain, j'arrive déjà pas à Morgane. Hop. Morgane Aero 8 noir. C'est votre véhicule, monsieur? Oh. Ah, il y a des réparations à faire. C'est peut-être pour ça qu'ils vous ont mis un sabot. Ouais. On va... 2 ans, je vais réparer ma voiture. On va regarder, je vous fais un devis.
Ouais, c'est ça, ouais. Hop. Il y a une roue, monsieur, je vous fais le devis tout de suite, je vous donne le prix, si vous l'acceptez, je vous fais une facture, ensuite je répare, d'accord? Oh, faites-moi la facture directement, ça m'intéresse à le prix. Ah bah, attendez, faut que je fasse le devis, moi, monsieur. Juste un instant, je regarde ça sur ma tablette. Ouais, vas-y. Alors, les amis, là, je suis navré, je vois plus du tout ouais, le chat. Ouais, ces enfoirés de flics, ils ont crevé un de mes pneus et ils l'ont mis à sabot. C'est sûr que ça s'est passé comme ça. Oui, hein. Oui, de toute façon, il n'y a pas de frais de déplacement parce que il y aura juste les frais de sortie de première que je vais vous donner. Morgane, ah bon, Aero 8. Là, Morgane Aero 8, un pneu rouge à 250 euros du coup. André Deville, alors attendez, je vais lui faire ça. Alors ouais. 250 euros, monsieur, ce serait bon pour vous? Ouais, c'est bon. Ouais, ok. Ouais, eh bah, j'édite la facture et je vous la donne après. Qu'est-ce que t'as dit, Adam? Hop. On a. Ouais, tu regardes ça chez toi pour l'instant. Et rouge, 250. Et il faut que je prenne la plaque NR. 088. C'est chaud. Ouais, ça, là, je vais aller voir Babouin, là. Donc du coup, je crois toi. Hop. Alors. Voilà. NR088 bon, DT. NR088. DT, on envoie. J'ai déjà pris votre pièce d'identité, je vais vous donner le TPE, monsieur. T'as plus besoin de prendre la carte d'identité, monsieur. Hein? T'as plus besoin de prendre la carte d'identité. Ouais, non, je l'ai pris tout à l'heure. Attention à toi. Parce que, apparemment, il y a un problème avec la trompette. Ouais, je l'ai, monsieur. Le TPE, je vous laisse taper votre code. Merci, ouais, monsieur. Ouais, je sais, mais je trouve un autre emplacement, donc c'est bon. Alors. Hop. Vas-y. Hop, une roue de secours. Voilà. J'étais parti chercher des outils. Hop. Ah bon, ça se voit, vous aimez bien votre boulot. Hein. Ah bah il faut, monsieur, parce que sinon, on s'en sort plus. Faites quoi, vous, dans la vie? Ouais, je suis chômeur professionnel. Ah, c'est un beau métier aussi, faut l'aimer. Bah, a priori, vous chômez plutôt bien, monsieur, hein. Sacrée voiture. Oh, ouais. Et voilà, c'est tout bon, monsieur. Ah, je vous remercie. Bonne route, soyez prudent. Au revoir. Ouais. Tu pourras prendre le Raptor et venir me rechercher après à préfecture. Toi, Taz? C'est toi qui me parles? J'ai une Nissan à l'air mieux. Ouais, ça roule, ouais. Il y a un Raptor de sortie, je le prendrai. Je suis pas sorti. Je suis pas sorti le mien, là. Je vais tourner avec. Ça va. Oh, bah ouais, plus de défoncer la bannière. Yes. Mais ouais, je viendrai te chercher. Alors, on va déjà faire la sortie de fourrière. Hop. Morgane, merde. Bah, j'ai un abruti avec une chiron qui m'a fait une queue de poisson. Ah, puis. Ça va? Pas de mal? Hop, identité, Elliot, payé, oui! Hop là, nickel! Bonjour, j'écoute. Allô? Oui? Hop. Ta-da-da-da-da-da. En fait, ils ont raison, je vais prendre un truc de chaque sur moi. Hop, au cas où. Une pièce de réparation, une roue de secours, une boîte à outils, une autre roue de secours. Hop, voilà, ok, nickel. Ce sera plus simple. Vous pouvez venir au dépôt et puis il y a un gars au dépôt. Vous pouvez lui apporter les plaques, vous voyez. Il va les noter. Et je vais faire cette facture-là. Ce sera plus facile. Pendant ce temps, hop. Alors, pendant ce temps, on va faire cette facture. Tac. Tac, il faut que j'aille dans partenariat forfait. Excellent. Que je retrouve lui. Alors. Elliot. Fasse la facture d'abord. Ouais, j'écoute. Elliot. J'écoute. T'as le gars d'un interlock, il va passer et il va te donner des plaques de camion. Ouais, ça arrive. Ouais, ça roule, je lui sors de fourrière.
pense. C'est ça. Il me répondra après. Moi, je continue, parce qu'en fait, je suis sur ma facture en même temps. Pas facile. Ferrari F488, c'est ce qu'il m'a dit. Il y avait deux pneus rouges à 386. Sors le téléphone. Hop là, hop. Hop. 386. 772 euros. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Immatriculation, donc j'ai pas la bonne, mais tant pis. MN. Modèle de véhicule, donc Ferrari 488. Elle était noire, je crois, je sais plus. Ouais, elle était noire. Deux roues rouges à 772. Allez, plus le déplacement. On va mettre 2, ça fera 872. Hop là, il ne le verra jamais. Alors, tac. Tac, partenariat forfait. Plus 100, plus 7685, 8557. Hop. Voilà. Allez, nickel. Ouais, du coup, interlocation, je sors les véhicules, c'est ça? Tu m'appelleras. Tu regarderas, le mec qui va venir t'apporter les plaques. Ok, tu m'appelles quand je viens te chercher, du coup. Ouais, Bonne route, sois prudent. Tadadam. Je vais encore tout diffuser ça comme ça, YouTube. Je pense que... Enfin, YouTube, Twitch... De quoi? Hop, hop. Voilà. Je sais Bonsoir pas. à tous. Genre. Bonsoir à tous, en tout cas. On va voir. Nous, on va se mettre là. On va attendre le chaland. Juste vérifier un Non, bah justement, d'un coup. petit peu ce qui se Bah, je vous rappelle, passe. je les ai récupérés, d'accord? Pas de soucis. Ouais. Ta-da-da-da-da. Bonjour. C'est avec vous que je dois voir pour les plaques? Vous êtes monsieur d'interlocation, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Excellent! Alors je vais regarder du coup, oui, si c'est nous qui les avons en fourrière ou si c'est. Si c'est pas nous. Ça se passe bien, ça, vous avez vu, on commence bien cette entrevue. Alors, on va trouver ça, tac. Ouais, et du coup, c'est des camions hein, à chaque fois. C'est deux DAF et un Arcros. Saoul, bah donnez-moi les plaques du coup, on va commencer. Alors on a donc CY 045 UC. Alors. Ça va être chaud, je vous mens pas, mais on va regarder. Alors, CY. CY. Vous savez quand est-ce qu'ils ont été enlevés ou pas? Mais je sais même pas s'ils ont été enlevés en fait, hein. Ah. Moi, je sais juste que les gens nous les ont pas rendus, donc 0,45 QC, vous m'avez dit, j'en ai un, ouais. Vrai? Ouais, yes, putain. Ah, ça m'arrange, là. D'accord, donc je vois Alors ça. attendez, je vais le noter, comme ça on les sortira tous. Je vous ferai une facture globale et on les sortira tous, d'accord? Ouais, d'accord, pas de soucis. Alors, CY045 UC. Ensuite! Est-ce que c'est écrit quand c'est que vous les avez récupérés? Pas du tout. Ouais, si. Et c'est quand est-ce que vous l'avez récupéré celui-là? Alors. Hier, 22h49. 22h49, d'accord, je note. Rendu. En tout cas, mise en fourrière, 22h49, Ouais, quoi. pas de soucis, pas de soucis. C'est juste pour les avertissements pour les gens qui rentrent pas leur Et vous camion, avez d'accord. bien raison, voilà. Faites leur payer un peu. Dites-moi ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un KX 383 FV. Je vais regarder, hein. Sérieux. C'est giga dur de passer entre les deux écrans. Alors, KX. 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 Plus compliqué, lui. Plus compliqué, les amis. Le KX. Non, lui, je le trouve pas, monsieur. Non? Alors, pourtant, c'est depuis hier soir qu'il a disparu aussi. Je regarderai après, mais pour l'instant, je le vois pas. Hier soir, vous m'avez dit? Ah non, 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 pardon, non, non. Non, en fait, non, vous avez raison. Non, non, c'est pas hier soir, lui, celui-là qui est parti. Bah dites-moi, ça fait combien de temps?
Si vous savez, ça m'aide à chercher, moi. 14h40, on l'a loué, donc... Aujourd'hui, vous voulez dire? Oui, mais en fait, je suis en train de capter qu'il va sûrement revenir, celui-là, en fait. Ouais, lui, je l'ai pas, c'est sûr. Ouais, non, c'est normal, sûrement, en fait. Excellent. Et... on continue. Donc, on a Anarctros, HN, 527. Quand celui-ci? 16h, on l'a loué à 16h. Aujourd'hui? Ouais, c'est possible que vous l'ayez pas non plus. Non, pas. Non. Ouais, bon, c'est pas grave. Bon, au moins, on a un d'offre, donc ça m'arrange. Yes, c'est tout? Du coup? Ouais, j'en avais 3, ouais. Ok, et bah du coup ça fait une facture à 1050 euros. Je vais vous prendre une pièce d'identité et je vous la présente. On a un contrat chez vous, je sais pas si c'est aussi pour ça. Pour aider... Je vais demander à mon chef. Je prends votre pièce d'identité pendant ce temps? Ouais, bien sûr. Merci. Merci. Chef Taz, pour Interloc sur les fourrières, je mets sur leur contrat ou pas? Il va répondre. Ah, pas de soucis, de toute façon je vais appeler un client. Hop. Allô. Hop, alors. Ouais, j'ai une bonne nouvelle pour vous, on a un DAF. On a récupéré un DAF. Tac, tac, tac. Je sais pas comment il a été fait le contrat avec ouais. Avec eux. Tu préfères que je lui fasse régler comme ça? Attends, j'ai essayé de me renseigner. Attends, de quoi? Hop, hop, hop. Alors attendez, on va essayer de regarder aussi. Ouais. Partenariat forfait. Il y en a dedans en fourrière des camions. J'en ai un, ouais. C'est quoi votre nom? D'accord. Elliot. Et l'Arctros. Ouais, tu m'entends? Loué à 16h. Ouais, j'en ai un. J'ai un DAF avec nous. Par contre, je vois pas leur contrat. Il y était pas. Hein. Ouais, d'accord. Mais et oui. Et oui. Vous êtes sérieux là? Mais non, mais faut le garer devant chez nous, pas autre part. Ah oui, mais faut quand même le garer devant chez nous. Bon, mais c'est pas grave, mais la prochaine fois, vous savez. Je vais lui sortir son camion pendant ce temps, tu me tiens quoi? Ah, j'essaie d'appeler, mais c'est pas évident. Au pire, je lui fais payer, hein. Ouais, fais-y payer 600. C'est combien la sortie de 1050. 1050. Tu lui fais payer et on verra. Après, je verrai avec Malheureux ou avec Pierce tout à l'heure. Ouais, ok. Pour savoir si on l'a dit, si on les déduit ou pas. Ok, ça roule. Et si on les déduit, je dirai Malheureux qui gérerait le remboursement. Ouais, ça roule. Par contre, hein. Ouais. Du coup, monsieur, je vais vous faire payer, là, et puis on se renseigne pour le... On se renseigne pour le contrat. Si jamais on devait y mettre sur le contrat, on vous remboursera. Hop. Ouais, du coup, Taz, moi, je suis sur le retour. Hein. Je vous donne la facture, monsieur? Ouais, ma fille. Du coup, donc, le contrat, c'est pas bon pour ça. On va se renseigner, mais je suis obligé de vous faire payer, comme on sait pas. Ouais, c'est pas grave. Hop. Alors, on fait une facture à 1050. Je sais que quelqu'un s'est abonné, mais j'ai pas vu qui. Voilà. Je vous laisse taper votre code. Non, attendez, il faut juste que j'écrive ça dans les frais, du coup. Allez, super. 1050, du coup, dans vos frais. Hop. Hop. Voilà, je vais prendre... Merci Varchan93. Merci beaucoup pour l'abonnement. Avertissement rapidement. Pas de soucis. Je peux juste vous laisser reculer un peu votre camion. Mettre dans un coin. Et puis, bonne journée. Hein. Écoutez, merci à vous et bonne journée. N'hésitez pas hein, si vous avez un problème. Ouais, bonne journée. Hop. Tu veux que je passe te prendre? Tac. Il a payé. Ouais, il a payé, ouais. Hop. Vas-y, viens me chercher au fond, là. Dites-moi, monsieur. J'ai pas les clés, bizarrement. Vous avez pas les clés? Non. Ah! Peut-être parce que c'est pas moi qui l'ai sorti. Hein. Ouais, allez, je vous l'ouvre. Parce que je sais pas si... Ouais, je viens de chercher. 30 secondes. Hop. Ouais, monsieur. Ça doit être bon. Merci, super. Bonne journée, au revoir. À vous aussi.
Yes, je le passe juste en informatique et j'arrive. Hop. Appuie, appuie. Hop, hop, parce que sinon je vais pas y penser. Déjà que le brave Marga a du mal, Elliot, et c'est un oui. Voilà, nickel. Allez, go, c'est parti. Je repasse sur vous, comme ça si vous voulez me parler, eh bien, vous pourrez. Hop, hop. Tac, tac. C'est bon, je pars. T'es au pont, tu m'as dit? Hop là. Allez, on va te chercher au pont. Ce qu'il avait dit. Il est rentré à pied, le fou. Le fou, le fou. Hop là. Voilà. Rejoins-moi, Interloc. Ouais, c'est reçu. Ta-da-da. Ta-da-da. Ta-da-da-da-da. Bonsoir à tous. Et j'y suis jamais allé à Interlocution. Ça nous fait l'occasion d'y aller et de visiter. Ta-da-da-da-da. Hop là, voilà. Ta-da-da-da-da. Vous rapporter les trucs. D'accord, ça marche pas. Y a pas de trucs comme ça? Non, pas de soucis là, par contre, collez pas trop, hein. Collez pas trop l'entreprise, ça va faire boum, ça. Ça inquiétait pas, on connaît. Ah, juste, j'avais besoin de vous parce que j'ai un petit problème. Je vais récupérer le fourrière, mais c'est pas moi qui l'ai sorti, du coup j'ai pas les clés. Et ah. Vu que j'ai pas les clés, j'arrive pas non plus à le rentrer dans le garage. Donc je sais pas si vous pouvez me passer moi, les clés. Par contre, vous pouvez le mettre derrière, vous le referme. Et puis vous attendez. Ah ouais, la mais prochaine. Le problème c'est que justement je comptais le louer en fait. À donner les clés. T'es faire de l'argent. Ouais, Jean. Bah c'était à ce monsieur-là que je devais le louer. Et puis vous n'en avez pas d'autre, hein. Ah non, justement. Ouais, c'est parti, hein. T'as vraiment aucun moyen que vous me donniez les clés? Ah moi là, non, je peux pas. Nous on n'a pas les clés en fait. Ouais, on les a pas, monsieur. Moi je vous ai ouvert ça. C'est avec un pass, quoi. Non, moi j'ai pas les clés, j'ai pas les clés. Ah, sinon vous appelez les gendarmes et vous me les donnez les clés? Ils peuvent vous le ranger dans l'entreprise, je crois. Ah bon? Ouais, il y a tout moyen. Ils font appel à Marcel. Il leur a expliqué le cas. Oui, je vais essayer. Là nous on peut pas faire grand chose à pas vous le refermer, qui bouge pas de là. Ouais, vous pouvez pas le ranger non plus. À non. Part leur mettre en fourrière, quoi. C'est pas le but, quoi. Bah, ouais. Pour nous aussi, mais pas pour vous, quoi. Putain. Oh, bah, monsieur, il vient de payer quand même, on va pas. La gendarmerie, elle répond jamais. Ah, tu penses, on le fait pas payer à chaque fois. C'est pas quand même. Bah, ça roule. Du coup, monsieur, si vous voulez qu'on ferme le camion, le temps moins qu'ils répondent, qu'ils arrivent. Oui, allô? Ah, bah, nickel. Pour avoir un renseignement. Monsieur Gattuzio, je travaille à l'interlocation. Gattuzio, Gattuzio. Ou du coup, si vous avez un problème avec un camion, vous avez perdu les clés. En fait, j'ai un problème avec un camion, si vous voulez, il est parti en fourrière. Et quand on me l'a ressorti, moi j'avais pas les clés, du coup je peux plus le ranger dans l'entreprise. Gardier. Et d'après les dépanneurs, peut-être que vous pourriez me le ranger en fait. Ta-da-da-da-da-da. D'abord, il y a des dépanneurs. J'adore. Vous entendez mieux, je pense, les gens, du coup. D'accord, bah, pas de soucis, merci. T'as vu le DAF mal garé, là? Viens, on le prend en fourrière. Ah, bah, du coup, je vais juste le garer mieux et je vais. Vous voulez qu'on vous le ferme, du coup, le camion? Ah, oui, je veux bien après. Ouais, ça roule. Je le garde mieux. L'aurait mis en fourrière. Ouais, c'est vrai quand même. Oh, bah non. Ouais. Oh là, comment ça, le véhicule d'entreprise est au garage? Ouais, c'est normal. Fais payer. Fais tout payer. Bon, au pire, d'accord, moi je vous l'ai refermé, monsieur. Hein? Ouais. Donc, ok, les gendarmes vont le. What the fuck? Il est où le Kit 4? Ah, si, il est où le Kit 4? Il était là? Ouais, est-ce que je peux le mettre le 4-4? Bah, tu l'as bien vu, il était là. Ah oui. Bah, est-ce que... What
the fuck? What the fuck? Tu l'as pas laissé ouvert? Ben non, je l'ai fermé. Putain, il était là, hein. On était là, on était tous là, hein. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Ah, je suis pas fou. Il est pas là. On a bien les clés. Lequel, en plus, c'est le mien? Ouais, c'est le tien. C'est lequel? C'est quoi ta plaque? UU? C'est ça? Non, c'est celui-là. Et c'est celui-là, merde. Attends. Mon clé, j'ai le plateau des deux et le UU. Tu sais quoi? Il a pas dit qu'il avait réussi à mettre un truc en garage? Putain. Tu penses qu'il a parlé pas mis notre 4x4? Il est où? Monsieur! Monsieur! Bordel. T'as pas son numéro, il t'a appelé? Non? Y'a quelqu'un? RIP! T'as toujours chez Atalog, du coup? Ouais, y'a notre 4x4 qui a foutu le camp. Avec les chiens Atalog, il a rangé un de ses véhicules, non? Y'a un camion qui arrive. Ouais, bah ça m'est arrivé hier soir avec les taxis. La dépanneuse allait rentrer dans leur garage. Attends, je vais l'appeler, je vais lui demander qu'il ressorte. Merde, il va nous louer, c'est sûr. Il pourra pas leur sortir, il est arrivé dans le garage de chez Alias, du coup. C'est quel numéro, la tienne? Oh putain, faut que je rentre à pied. C'est pas ma gueule. Non, bah attends, chez Alias, j'arrive. Ah, attends, on est deux, hein. Ah bah c'est bon, avec le raptor, on peut monter à deux. Attends-moi, Taz. Je suis pareil comme un voleur. Cette action. Ce rire incroyable et cette action. Oh bordel, ce merdier. Ah là là. Merci. Alors les gars, un petit peu d'espoir. Vas-y, recule. Non, je rigole. Ah bah c'est drôle ça, déjà que tu pars sans moi. En plus je suis derrière là, mes jambes sont toutes serrées. C'est pas grave, t'es très moins grand. Ouais, franchement, c'est pratique hein, n'empêche, pour Interlock. Ils mettent nos 4x4 dans leur garage et après ils nous les louent, tu vois. Un nouveau business. Ça est arrivé hier soir, le dépannage chez les taxis, du coup ça va être aussi moins déposé. Ah, ça surprend hein, quand même. Ça surprend parce que le 4x4, il était là, il était plus là quoi. C'est pas grave, il y avait rien dedans, donc ça s'en fout. Ouais, ça va. Par contre, il y avait quelque chose dedans, moi j'ai rien balancé, pas que c'est un boulot. Ah, bah bien sûr. Oh, on aurait pris un de leur camion, on l'aurait mis en fourrière. Merci, Jus. C'est nous qui avons mis un point là sur le véhicule immobilisé près de Sozon. Ouais, au niveau d'Amboise, je viens de mettre un point. Ok. Ouais, mais en fait, oui, d'accord, ils ont pris le palais. Ouais, du coup, ils ont pris le palais. Ouais, mais. Vraiment qu'il est là, tu vois. On ferait mieux d'échanger. On va se faire chier jusqu'à Sozon et on va se faire chier jusqu'au palais. Oh, mais c'est pas grave. Mais... Ouais. Il prend le plateau, là. J'aurais bien pris le plateau, mais si c'est un poids lourd, on va se mettre pas n'importe quoi, ça sac un peu. Ouais, on va prendre le plateau. Le plateau, de toute façon, ça te coûte rien de prendre le plateau. Bah, un aller-retour, quoi. Non bah, c'est non, parce que lui, va nous appeler, et puis il y en a un ou deux qui va se déplacer. Ouais, ok. Ouais, parce que du coup, sur le plateau, t'as que les VL qui passent. Moto, VL. Ok. Ouais, bah après, c'est normal, hein, c'est un plateau. Sauf les sprinters, un sprinter normal il passe pas et un sprinter 22 mètres cubes il passe pas. Ouais, ils sont trop longs. Non, trop gros. Ouais. Après, okay. tu passes un peu Et bah ouais, bonne route. Ouais, vas-y. Ouais, au cas où je vous appelle. Ça roule. A toutes. Tu sais ce que c'était la voiture abandonnée sur le palais? Du coup, tu l'as vu?
Non, parce que j'ai pas eu le temps de le voir. Non, mais t'as dit elle est là depuis longtemps? Ah, quand j'étais à la préfecture, quoi. Ah, ok, ok, ok. Ça roule. Ça s'est bien passé à la préf? Les flics, ils étaient autour, donc je pense que. Okay. Ça s'est bien passé à la préf, du coup? Oui, hein, mais il était content et tout, il était gay. C'était quoi? C'était un gars qui bossait là-bas qui avait besoin de. Ouais, c'est un préfet. Ah, c'est le préfet? Ouais, c'est comme ça, en même temps, je lui ai demandé pour ma maison. Pour mon garage, s'il était bien dans leur papier, il n'y est pas encore. Ah, tu t'es acheté un garage? Oui. Ah. Vas-y. Mais je vais pas dans le fond, je vais. Bonsoir à tous. Oui. Bonsoir. 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 Merci d'être présent. C'est gentil. Regardez. Beubar. Voilà. Cheveux. Beubar. Casque. Manette de PS4. Et du coup, là, d'ici une trentaine de minutes, on passera sur FIFA. Vous m'avez rangé mon véhicule, alors. C'est ça. Ta-da-da-da. Bonjour tout le monde. Non, bah, ça, salut, ça c'est Elliot, c'est qui dans c'est John, tu vas bien? Et toi? Ouais. Je sais pas qui c'est. Impeccable. Ah oui, si. Je te vois pas. Tu vas ouvrir le camion chez ça DAF. Le DAF là? Ouais, tu le regroupes parce que ça le gêne. En facture? Ou gentiment? Ok. Tu vas là? Ouais, j'y vais, je prends ton. Je prends le. Ouais, Raptor. Prends le Raptor, prends le Raptor. Je facture ou pas, Taz? Ok, il arrive. Merci, au revoir. Taz? 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 Ça va? Taz? Ça, c'est. Taz? Ok. Ouais. Je facture ou pas? Non, 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 tu vas, vas-y, roule. Ok, ça roule. À tout. Il faut l'ouvrir, c'est pas non plus. On fait tout payer! Hop, hop, allez. C'est reparti. Là, on va du coup retourner à l'interloc pour ouvrir son DAF. J'ai eu un peu peur. Je vais pas vous mentir, j'ai eu un peu peur. Hop, hop, voilà. Et hop là. Attention. Ouais, bonjour. Ouais, vas-y, on fait venir la gendarmerie. On lui dit qu'il y a un gros qui nous gêne sur notre parking. Ouais, ça roule. Du coup, pardon? Ça te dérange pas, Yata? Non, non, vas-y. Ça prend la même fourrière, ça te fera que 660 euros de sortie. Du coup, je vous le déplace peut-être? Enfin, vous le déplacez derrière, je vous l'ouvre et puis je vous le renferme. Bon, bah, vas-y, je suis avec moi le rond. Vous faites attention à pas. Alors, vas-y, bon, on arrive dans IP alors. Vous faites... Oh, il peut plus rien dire pour ma casquette parce qu'il bonjour, peut plus ma casquette. Attendez, je suis avec des clients là, me parlez pas. Ah, du coup, monsieur, je vous rouvre le DAF, vous le bougez. Juste un DAF, mon gars, il prend 3 heures avec je vous le client. Le referme après. Et on a pas dit qu'il fallait que tu bois un coup avec eux. Pour boire le café. Il y a eu des explosions et en fait, moi je fais du service client, messieurs, quand vous saurez faire ça. C'est qui là? Hop. Pauvre rigolo. Elliot? Ouais? Elliot? Écoute, tu parles à deux chefs d'atelier ouais. Là. Fais-lui 50% de réduction sur la facture, c'est un bon ami à moi. Y'a pas de facture, le juge j'ouvre le DAF. C'est ah, pour ça nous. Marche. C'est pour nous, c'est pour nous. Ça, patron? Ah, t'es bah, nickel, hein, patron, ça, il est en costard et tout. Après, si tu fais du dépannage, faudra que je vous vois. Oh bordel. Désolé, ça prend un peu de temps sur les camions. Puis si vous pouviez reculer, ça m'arrangerait. Ah, parce que là, vous me stressez tous un petit peu, quoi. Là. Je sens trois souffles sur ma nuque, c'est vrai que c'est un peu stressant. Alors. J'ai oublié le cigare, hein. C'est pas ce mieux comme ça. Hop. Allez-y, c'est bon. Vous pouvez le déplacer, je vous le referme le DAF. Ah, super, merci. Ah, je suis de la grande armoire. Bon. Ouais, ma fille. A plus tard, patron. Le musée se trouve dans la centrale électrique. Attention à vous.
Attends, j'appelle la gendarmerie. Ouais, d'accord. Qu'est-ce que vous... Qu'est-ce qu'il y a? Tu rentres pas sans être accompagné. Ah ouais, de toute façon, j'attends devant. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi, j'ai pas entendu. Juste le véhicule immobilisé que je dois aller chercher lié à l'intérieur de la centrale électrique. Du coup, on a pas le droit d'entrer. Oui, bah oui, oui. Prends pas de jus. Hop. Hop là, y a les nickel. Voilà. Hop. Et voilà, je vais fermer du coup. Merci beaucoup. Bah, de rien, monsieur. C'est normal. C'est normal, c'est normal. Et rentrez plus nos 4x4 dans vos garages, par contre. Bah, c'est pas grave. De toute façon, il est arrivé chez nous, là. Marcel nous l'a ramené, donc tout va bien. Bon, bah, ça va alors. Bah, n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin, vous appelez. Pas de soucis, merci encore. Bonne journée. Du coup, on repart direction le dépôt. Hop. J'arrive au dépôt du coup. Désolé, j'ai été lent, je parlais avec Monsieur Malheureux. Oh! Oh! Y'a personne qui répond! Dépanneuse là, sur le pont, c'est nous ou pas? Moi je pense pas que c'est ça la nôtre. Merde, y'a un mort. Bonjour. On va faire un massage cardiaque, il y a plus de poux. Excusez-moi, Ah, c'est le gars... Non, c'est le mec qui était dans la dépanneuse, qui a pris un coup. Oh, allez. Tout dans ses narines. Attention à vous. Ouais, excusez-moi. Excusez-moi, messieurs les gendarmes. On a affaire d'un pour les gars. Excusez-moi, est-ce que quelqu'un travaille chez le dépannage ici? Non. Il est là-bas. Merci. Jean, vous êtes à le dépannage, monsieur? Oui, c'est ça, oui. Ouais, je peux juste vous demander de mettre votre dépanneuse sur le côté? Ouais. J'ose pas vous doubler là, comme il y a les victimes, je voudrais pas. Merci, monsieur. Hop là, allez, on repart, les amis, on repart. Voilà. Tac. Tac. Je suis en train de suivre le mec d'Allo, elle est chez nous, c'est perturbant. Oh là là. Hop là, on éteint les gyrophares et on rentre. Quoi, le mec d'Allo il va chez nous? Ouais, bah il y a une voiture immobilisée. Non, il repart sur le palais. Le pont est bloqué en fait, il y a eu un accident. Pour information. Ok, reçu. C'est un gars de chez Allo là qui part sur LP là? Ouais. Il doit être parti sur le véhicule immobilisé sur LP. Hop. Hop là. Voilà. Je vais voir si les dire ils sont. Ouais, ils sont absents. Dommage. Alors, malade? Il y a un véhicule de bloqué dedans et je veux pas que mon gars rentre tout seul là, dedans. Bonjour, messieurs. Bonjour. Messieurs. Je m'appelle Lamère, police du travail, inspecteur Baudouin. Pourriez-vous m'appeler le propriétaire? Je ne sais pas si par l'autre. Il y a monsieur Malheureux qui est sur l'île, je peux peut-être essayer de l'appeler si vous voulez. Oui, à l'intérieur. Ouais, s'il vous plaît. Ouais, je lui passe un coup de fil. Je
préfecture. Bah parce que l'aéroport c'est pas un gueule. Alors parce qu'il faut une présence de gendarmerie pour. Tac, tac, tac. Moi, je suis ministre de la préfecture. Les écoutez pas seul, moi, fait la préfecture. Hop. Okay. Moi, je propose. Pas hop. Alors, Maluro. 0, 7, 40, 7, 66, 31, 28. On vient tout fermer. Ah bon? Ouais. Et pourquoi ça? Ouais, on a dit comme quoi il y avait une invasion là-bas et on va devoir interagir. Allô? C'est qui l'appareil? Oui, bonjour. Monsieur Maluro, c'est Elliot. Oui, bonjour. Monsieur Maluro, il y a l'inspection du travail qui est au garage et qui voudrait voir un responsable. L'inspection du travail, ok, bah j'arrive. Très bien, je les préviens. D'accord. Oui. Merci monsieur Maluro. Au revoir. A plus tard. Ok, il n'y a pas de problème. Monsieur Maluro arrive, messieurs. C'est quoi votre nom Ah, monsieur Agnelli, Vini. Vini, okay. Ah oui, d'accord. On va appeler ça juste là. Entrez, James, attendez près de la voiture, je vous prie. Tu laisses le coin dessus et tu je vais voir l'autre personne. Alors apparemment ça serait pour un seul. Ok, ça va, je vais chercher. Le coin dessus. Hein. Monsieur. Comme ça, au dépannage, ouais. Je vais chercher. Bonjour, dites-moi. Ouais, ça marche. Bonjour, oui. Pardon? Oui, bonjour, oui. Bonjour, dites-moi monsieur. Ah oui. Je peux vous aider? Je vais avoir des collègues qui sont juste là-bas. Ah ok, très bien. Oh, je voulais être poli, hein, monsieur. C'est tout. Ah bah ça va alors. Si on s'aime tous. Monsieur Maluro arrive. Il est sur la route. S'il était un sonore avec Maluro. C'est Pierre, c'est Maluro. Ah bah. Oh, je vais rappeler. Voilà. Parce que c'est vous les chefs, mes chefs. Il a glissé. Ouais, c'est moi et Zoran. Ouais, ouais. C'est ton pied qui. Correcto, donc ça va nous taper d'abord une foot, et après ça trottera pas, ça va te retaper dessus après. Non mais je suis plutôt inquiet pour mon boulot, moi me faire taper dessus ça me dérange pas, mais je voudrais pas perdre mon taf quoi, c'est rapport à l'argent. Comme je te disais, après que tu sois un peu plus présent quoi, si c'est possible. Ça j'ai peur par l'inspection du travail. Enfin mais que tu sois un peu plus présent, après tu risques rien. Mais pour l'inspection du travail. Que l'on m'installe que j'attende dans un bureau, monsieur Maluro. Il est en train d'arriver, j'ai vu son véhicule, monsieur. Oui, je voudrais bien être dans un bureau. Agnelli, viens avec moi. Agnelli, ramène-toi. Moi, Taz, je veux juste pas qu'on ferme, quoi, tu vois. C'est ça qui m'inquiète. Non, mais on va pas fermer. Pourquoi on fermerait? En représentation officielle à la préfecture, donc ne fais pas chier. J'en sais rien. Parce qu'il y a inspection du travail. Je m'inquiète, quoi, tu comprends? Pourriez-vous dire à monsieur Agnelli qu'il vous montre également? Mais ça sert à rien. À monsieur Agnelli, venez. Bon. Monsieur Maluro, ils sont dans un bureau. On peut le faire monter là-haut. Bonjour, monsieur le dépanneur. Tiens. Monsieur Agnelli, monsieur le inspecteur du travail. Vous pour une fourrière, deux fourrières là. Eh bah, on peut regarder ça. Moi, ça me fait plaisir. Pas de soucis, bah, on va voir ça ensemble alors. Bonjour. Allez, venez. On va les regarder directement là-bas. Bah, on peut regarder ici si vous voulez. Je regarde si c'est nous qui les avons. Dites-moi ce que c'est comme véhicule. 500 Abarth orange avec un camouflage vert nacré, plaque d'immatriculation OI200 je sais plus quoi SR. Alors. OI. OI628, une Fiat 500 Abarth. Ouais, c'est ça, SR à la fin. C'est ça. Ouais, ça c'est à moi. Et vous devez avoir une McLaren aussi. Hein. Vous avez une plaque? EO, je crois, la plaque, elle commence. McLaren noir. Alors, McLaren. On va faire ça comme ça, plutôt. Il faut monter. C'est vrai que là, j'ai pas pensé à récupérer. Hein. Ah si, je l'ai. Alors, la plaque de mon véhicule? Non. Pas mon véhicule. Pas ma plaque. Alors, c'est quand vous l'avez enlevé, monsieur? Ça devait être hier, normalement, je crois. Alors, hier. La journée. Ou aujourd'hui, je ne sais pas. McLaren. C'est EO, le début de plaque, ça j'en suis presque. McLaren, j'ai pas l'air d'avoir là sur ces derniers jours, monsieur. C'est à l'ODEM, vraiment. Ouais, autant j'ai. Par contre, j'ai pas de Fiat. Ah, c'est déjà ça. Ça, je veux bien récupérer. Allez, venez avec moi, monsieur. On va récupérer.
Et après j'irai voir les autres DEP. Ouais. C'est pas les DEP DEP, hein. Les, hein. Bah si, les DEP DEP pour dépanneur, monsieur. Oui, bah oui. Bon, moi je les aime pas trop, les dépanneurs. Les dépanneurs ? Non, pas les dépanneurs en eux-mêmes, mais la société, j'aime pas trop. Je devais la racheter, ensuite on m'a dit non, vous pouvez pas la racheter. Ah, du coup, voilà quoi. Ouais, sans ça, j'aime pas trop. Hop, allez, venez, on va se mettre à l'ombre. Je prends notre mais... pièce. Vous êtes où, monsieur ? Ah, vous êtes là. Votre pièce d'identité, s'il vous plaît. Merci, monsieur Lacosta. Du coup, une plaque qui finit par SR. Je vais vous faire la facture. Et je ne travaille pas dans la SR. C'était vraiment très drôle, monsieur. Ce qu'il faut pas dire au client. On est obligé de satisfaire le client, mais bon. Hein. Hop, tenez, monsieur. Un peu sarcastique, là, je l'ai un peu. Non, pas du tout, monsieur. Ah, pas du tout. Ah. J'ai jamais été sarcastique avec une blague d'une aussi bonne qualité. Ah. Hop. Eh, voici. Oh, monsieur. Bah, je vais vous faire un devis en plus, j'ai l'impression. Ah, elle doit être cassée, non ? Alors. Juste un message au cinéma. Pas de soucis. Tac. Ah oui, il y a eu un petit choc, je crois, la dernière fois. Et c'est. Ah merde, c'est 1560. Un petit choc de rien du tout, là, je pense, non ? Ouais. Mais c'est pas grave, on va mettre oui. Par contre, je me suis trompé sur le montant de la facture, monsieur. Ah, ça fait combien ? 1560 en fait au lieu de 660. Et avec les réparations comprises ? Non, pas du tout. Ah. Bah faites-moi directement avec. Avec les réparations, je vous mets l'écart de 900 euros. Je vous mets avec ça avec la réparation. Ah ouais. Ok. Excusez-moi, monsieur. D'habitude c'est 660. Pas votre voiture. Non, après. Ouais, pas du tout. Allez, on va regarder ça. Bien, on va regarder ça. Alors. Je vous change 3 pneus le moteur. Et alors, je n'ai plus beaucoup d'argent en ce moment. Le moteur, c'est combien ? Je sors le devis, je vous dis ça, ok ? Ah bah, c'est pas tout ça, on va juste faire changer les pneus et faire la révision devant. Ou je vais la vendre directement avec le moteur cassé parce que franchement, j'ai vraiment pas les moyens. Même si vous me dites, là vous me dites 5000 euros, vous m'avez ruiné. Le moteur, juste le moteur, 1300. Ouais, ça va encore, ouais, je peux payer. Alors. Vous voulez le devis complet en fait ? Ouais, donnez-moi le devis complet, on va faire le devis complet. Maintenant que j'ai que le moteur, me coûtait pas si cher que ça finalement. 1300 plus 135 plus 135 plus 122. Ça fait 1692 en tout. Ah bah je vous fais. Allez, on est parti. On fait ? Ah, 1692 ? Oh, en fait, eh bah alors je vais vous sortir la facture, je vais reprendre votre pièce d'identité s'il vous plaît une nouvelle fois. J'édite la facture et je vous la donne. On a qu'à la racheter, hein. Alors Raphaël Dacosta, c'est vrai, j'avais déjà oublié, c'est pour ça que j'ai demandé. Avec je vous ai mis le certificat d'immatriculation et tout avec. Yes, super, merci monsieur. Non, bon, I628. C'est vrai que je me rappelais pas de l'avoir laissé dans un aussi mauvais état. Fiat. J'ai mangé carrément les disques et tout là. Ah, une soirée, je pense à le produit. Non, c'est Abarth peut-être. Pourquoi je la trouve pas sa voiture ? Ah, Fiat Abarth 500. Ah, là, il y a un peu. Hein. Verte. On a un pneu orange, deux rouges, un moteur orange, tout à fait. À 1692 euros. Ah ! 1692 euros plus les 900, hein, ça fait 2592. Allez. Allez. Ok, top. Je finis la facture. J'ai quasiment fini. Vous pouvez aller prendre votre temps. Vous voyez, la gendarmerie vient de me faire perdre 20 minutes. Hein. Hop, 2592. Hop, allez, je vous donne ça. Hop, l'œil. Voilà, monsieur. Je vous laisse. Vérifier, signer, si ça vous va. Hop, overwashing, direct. Allez, super. Et je vais la mettre sur le camion. Attention à vous. Hop, là, on prend le nôtre, puisque c'est mieux. Tac, tac, tac. Ok. Hop, hop. Voilà. Ta-da-da-da-da-da. Hop. Hop.
Julien, t'es à poil? Julien, remets ta tenue. Hop. Hop. Allez, on prend les commandes. Voilà. Ah, bah il est mieux comme ça, habillé. Qu'est-ce que vous en pensez? Appelez. Parfait. Laissez les commandes. Les gars, s'il vous plaît, passez là. Est-ce qu'on a un contrat avec Interlocation? Oui. Oh, bah alors. Je le vois pas. Hop. Ah bah, c'est un gros, je crois qu'il a pas encore été signé. Il était chez le véhicule. Ah ouais. Non, j'appelle Malheureux pour savoir. Ouais bah ouais, puis je peux savoir si je dois adresser la page. Et voilà. Ah, merci. Bah de rien, monsieur. Dites à monsieur Malheureux quand il revient qu'il m'appelle, s'il vous plaît. Ouais, s'il revient ici, on lui dira. Monsieur Dacosta, hein. Je fais passer. Excuse-moi de te déranger. Bonne journée. Ah bah attendez, attendez, monsieur. J'ai un contrat avec Interloc. Taz, demande de lui qu'il appelle monsieur Dacosta aussi. Et il faut que tu rappelles aussi Dacosta. Hop là. Tac. Tac. Ouais, il vient de partir. Hop. Fiat 500 vert. Et hop là. Voilà. Allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une gentille manif de service, nous. Ah, tu fais payer, ils ont pas encore payé. D'accord, ok. Bon, moi je vais faire une fin de service, vous avez besoin de la dépanneuse ou pas? Ouais, tu peux la laisser. Ouais. Et t'es pas resté longtemps pour finir. Ah bah, écoute, j'ai tant de choses qui m'attendent. Oh, bon, bon, tiens, vas-y, une bonne journée. Ah là là. Ah, il y a FIFA, les amis. Ah, il y a FIFA! Hop, hop. Allez, on récupère nos petits trucs. Oh, je vais les laisser, tu sais quoi? Ça me fait plaisir. Je vais les laisser, j'ai tout. Hop. Il y a du matos dans mon camion, hein, si ça vous intéresse. Ouais, on regardera, c'est bien sûr. Hop. Voilà. Hop là. Du coup, on va quoi? Fin de service du coup pour Elliot. Bonne soirée tout le monde, bon courage. Hop. Et à toi. Hop. Allez messieurs, bon courage pour ce soir. De toute façon, vous êtes nombreux, ça va aller. Hein. On est trois, c'est bon. Ah, ça, je pense que ça va aller. Ouais, je pense. Hein. Hop. Hop. Non, mais en fait. Il y a des modes FIFA, tu vois, donc je vais rentrer. J'habitais encore chez mon grand-père, là, comme j'ai pas trop d'argent, mais je vais rentrer chez mon grand-père, je vais jouer à FIFA, quoi. Ouais, bah ouais. Voilà, quoi. Bref. On va s'amuser un peu. Allez, messieurs, bon courage. Tchou tchou. Bon courage. Allez, on file. On file. On va reprendre l'Audi. On va aller au garage. Et puis, après, on fera une toute petite pause, une micro-coupure, comme disent les jeunes. Et on se mettra sur FIFA. YouTube, nous, on va se laisser là-dessus, par contre. Du coup, des bisous. Je t'aime. Ciao, YouTube. Et Twitch, on reste ensemble. Bien sûr.